Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon 16e tour d'actu quotidien. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier de me suivre, de suivre tous ces rendez-vous journaliers quotidiennement. Je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui apprécient ce petit tour d'actu que je fais tous les jours. Et pour ça, je voulais vous remercier de votre soutien. Merci, merci, merci. Grâce à votre soutien, grâce à votre présence, ça me donne en fait l'occasion de pouvoir toujours proposer plus de choses sur ma chaîne, puisque là, je vais avoir l'occasion de tester pas mal de produits qui, j'espère, vous plairont. Mais assez tergiversé, on n'est pas là pour ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de l'actu. Et j'attaque tout de suite avec Xiaomi qui vient tout juste aujourd'hui de dévoiler en Chine un nouveau téléviseur d'une grande taille et qui en plus est sacrément bien équipé, on va pas se le cacher. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, donc c'est un téléviseur équipé d'une dalle mini LED 8K et également compatible 5G. Oui, ça envoie du lourd, on va en parler. Après une petite campagne de teasing en Chine, Xiaomi vient tout juste de dévoiler de nouveaux téléviseurs, dont un sort clairement du lot. Donc en fait, ils sont tous les deux d'une dimension de 82 pouces. Il y en a un qui se limite à la 4K, tandis que celui qui nous intéresse aujourd'hui est compatible 8K. Donc comme je disais, c'est une dalle mini LED qui offre 2000 nits en termes de luminosité et également capable d'afficher 10,7 milliards de couleurs. L'écran couvre 98% de la gamme de couleurs P3. Ce téléviseur est également capable de générer en fait des upscales, donc jusqu'à 8K, parce que comme vous le savez, il n'existe pas énormément de sources capable d'afficher donc une image de cette définition. Il faudra donc passer dans certainement 99% des cas par l'upscale pour pouvoir profiter clairement de ce téléviseur. Il prend en charge les normes HDR les plus répandues, Dolby Vision, HDR10 et 10+. Un petit peu s'intéresser également à ce qui se cache du côté du SoC. Donc c'est un SoC Novatek quad-core, 2 cœurs ARM A73 et 2 cœurs ARM A53, également couplé à un GPU ARM Mali G51. Il y a également question de 4 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal pour un téléviseur, c'est pas courant il me semble, et 256 Go de stockage interne. La version chinoise de ce téléviseur est équipée de MIUI TV 3.0. Bien entendu également du Wi-Fi, Bluetooth 5, 3 ports HDMI 2.1, un port USB 3 et un port Gigabit. Compatibilité 5G oblige, on y retrouvera également un emplacement pour y insérer une carte SIM. Pour ajouter un petit peu plus d'effet, Jackie Tuning oblige, je note également la présence d'une petite bande LED. On va maintenant parler de ce qui fait le plus mal, le prix, puisqu'il est question de 7 300 $, soit un peu plus de 6 000 €. Ça fait quand même sacrément mal au portefeuille. Pour l'instant, ce téléviseur se cantonne à la Chine. On ne sait pas encore si Xiaomi va le commercialiser dans d'autres pays, dont la France. Et si c'est le cas, ça sera sans doute pas avant quelques mois. Là, on reste toujours chez Xiaomi et on continue donc de parler maintenant smartphone. Il est toujours question des Mi 10T et Mi 10T Pro, là, qui vont être présentés dans 2 jours, puisqu'il est question donc d'une conférence qui aura lieu le 30 septembre. Mais il y a eu un nouveau leak qui révèle désormais vraiment toutes les fiches techniques détaillées. Je vous les affiche à l'écran pour que vous ayez donc un bel aperçu de ce qui se cache sous le capot des deux bêtes. Alors, il est toujours question, bien entendu, d'un écran LCD et non pas OLED hein, de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sans oublier le SoC Qualcomm Snapdragon 865, des triples capteurs photo dont le principal est de 64 mégapixels. On a également droit à une batterie d'une capacité de 5000 mAh et charge rapide de 33 watts. Donc là, je parle du Mi 10T. La variante Pro, quant à elle, reprend l'essentiel de ses caractéristiques, sauf que le capteur photo principal est ici de 108 mégapixels. Côté esthétique, il y a une petite chose donc qui différencie également ces deux modèles donc des Mi 10 classiques, tout simplement parce que le capteur d'empreinte est situé sur le côté et non pas soit au dos comme on a l'habitude de le voir sur d'autres smartphones, ou alors directement intégré à l'écran. Là, ce n'est pas possible étant donné qu'il n'y a pas d'écran OLED. Donc alors LCD oblige, ils sont obligés de placer le capteur d'empreinte ailleurs. Pas forcément si c'est une bonne idée de le mettre sur le côté. Je me souviens d'avoir déjà utilisé ça sur un Sony à l'époque. J'avais personnellement pas forcément apprécié l'emplacement du capteur d'empreinte, mais après bon, j'imagine aussi que c'est une question d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux smartphones? On en parle dans les commentaires si vous voulez qu'on développe le sujet. Encore et toujours chez Xiaomi, on va parler encore de notre troisième produit de la marque. Aujourd'hui, décidément, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, on dirait. Voilà, on va parler d'écouteurs Bluetooth True Wireless. Donc il y a une nouvelle déclinaison encore qui va être présentée.
peut-être le 30 septembre, on ne sait pas, mais le lancement semble assez imminent. Donc là, il s'agit donc des Mi Air 2 Pro qui vont offrir notamment une réduction de bruit active. Donc là, il y a un leak qui montre un petit peu le design donc en photo de ces écouteurs et on se rend compte que le design est identique des modèles qui sont sortis l'année dernière. Il semble également que le boîtier de recharge qui accompagne ces écouteurs soit compatible avec la recharge sans fil. Et on parle également de fonctionnalités de connexion automatique lorsque le couvercle des écouteurs est ouvert. Mais il semblerait que cette fonctionnalité ne se limite uniquement qu'aux appareils tournant sous MIUI. Ces écouteurs sont visiblement également déjà certifiés, ce qui donc sous-entend que leur lancement est vraiment, vraiment imminent. On parle d'un tarif en Chine qui serait compris entre 73$ à 88$. Donc on s'attend à ce que ces écouteurs soient commercialisés peut-être chez nous, c'est rien encore, c'est de la pure spéculation, peut-être aux alentours d'une centaine d'euros. Je poursuis. Maintenant, en parlant de Google, là, dans deux jours, seront présentés également lors d'une conférence, bizarrement en même temps que Xiaomi, c'est quand même bizarre ça. Les nouveaux produits, on a déjà eu un aperçu complet du nouveau Chromecast, le Chromecast donc sous Google TV. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente, je vous avais déjà montré à quoi allait ressembler l'interface, on s'est rendu compte qu'elle est vraiment très très fluide. Mais ce n'est pas le seul produit, bien entendu, qui sera présenté. Il est aussi question du nouveau Pixel 5. Et si il sera effectivement présenté le 30 septembre, il faudra un peu patienter pour aller mettre la main dessus parce qu'il ne sortira pas tout de suite. En fait, il y aura une période de précommande qui va durer à peu près une quinzaine de jours. Selon un leaker qui, en général, a des informations assez crédibles au sujet des plans de Google, il serait question de lancer les précommandes donc le 30 septembre à l'issue de la conférence, tandis que la date de lancement serait donc le 15 octobre. Concernant ensuite un coloris des Pixel 4a 5G, il serait question de précommande le 30 septembre pour un lancement le 19 novembre, tandis que le coloris blanc du 4a est repoussé à 2021 et le leaker ironise en disant qu'il pourrait très bien être totalement annulé, comme l'a déjà fait Google par le passé avec certains produits. On a déjà pu également avoir de beaux rendus du Pixel 5 qui reprend un design un peu plus contemporain. On attend donc que tous ces produits soient présentés en même temps lors de la fameuse conférence qui aura lieu donc d'ici deux jours. Et j'espère quand même qu'il y aura quelques petites surprises parce qu'on peut le dire là, Google n'arrive absolument pas à garder le secret. J'ai un peu l'impression qu'on sait déjà tout là en fait. Donc Google, s'il vous plaît, surprenez-nous quand même le 30 septembre. Enfin, je termine toujours en parlant un petit peu de l'écosystème Google. Donc là, on va plutôt parler de Maps qui évolue en termes de design. Là, il y a une nouvelle mise à jour qui est en train d'être déployée un petit peu chez tout le monde. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore reçue pour l'instant, qui en fait permet d'avoir donc un mode navigation qui soit très similaire au mode que l'on a également sur Android Auto. On voit sur le bas apparaître deux boutons dans le mode de navigation, un pour accéder à Google Assistant, les commandes vocales, et un autre pour accéder à un écran d'accueil. Tout ça en fait pour aider les utilisateurs qui sont au volant à faire le moins de manipulations possible, pour aussi lancer des applications de musique, etc. Pour que le conducteur garde toujours les yeux rivés au maximum sur la route et éviter donc les accidents. En appuyant en effet sur un bouton dédié, on est dirigé vers un écran qui semble assez intuitif. On peut accéder donc à tous les éléments essentiels qui sont donc les appels, les messages, donc les différents lecteurs de musique et de streaming. L'écran appel, quant à lui, va se concentrer principalement sur les trois premiers contacts qu'on a le plus l'habitude d'appeler et également les trois appels les plus récents. Comme dit, cette interface utilisateur ressemble à s'y méprendre à Android Auto. Et comme je le disais avant, il semble que Google déploie actuellement déjà cette interface à de nombreux utilisateurs. Comme je dis, moi je ne l'ai pas encore vu sur mon téléphone, je suis pourtant complètement à jour et je n'ai pas encore accès à cette interface. Donc patience, elle devrait se déployer là dans les prochaines heures, prochains jours, on ne sait pas. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un grand pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux où je suis présent sont juste en bas dans la description, au même titre que toutes les sources des différents sujets que j'ai évoqués lors de cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve demain soir, 19h, pour un nouveau tour d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.